Et Pipo. Ah là, la chasse au Pipo. Et bonjour famille, c'est Chib, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien personnellement, ça va au pec. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve sur Clash Royale comme d'habitude pour faire quoi? Pour faire le défi du bélier de combat. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à faire au minimum 5 victoires pour pouvoir gagner le bélier de combat. Donc on peut choisir nos cartes puisqu'on a de base le bélier de combat qui est programmé dans le deck. Et nous ce qu'on est censé faire en fait, c'est tout simplement nous faire un deck avec le bélier de combat justement pour essayer de faire un maximum de victoires. Donc moi voici le deck que j'ai fait. Donc il y a le bélier de combat, j'ai mis le bourreau, le chevaucheur de cochon, la boule de feu, le golem de glace ainsi que le zap plus les archers et le canon, donc c'est un moyenne à 3,4 élixirs. Et j'ai déjà une victoire et une défaite parce que juste avant j'avais fait un petit test pour vous savoir un petit peu comment c'était. Et c'est parti, on va se faire une petite partie rapidos les amis. Ah ça y est, on est tombé contre un mec parce que le mec du coup il a un smiley à la place du pseudo. Bon c'est pas très très grave. Ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup, comme je le dis, ah bah là c'est parfait, je vais faire directement bélier de combat plus sur le cochon juste derrière. Je prépare le zap au cas où. Alors qu'est-ce qui va, oh là 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 là, le salopard. Non, du coup, ça a foiré la charge du bélier. Ah, c'est déçu, déçu, déçu. Bon, j'ai quand même mis quelques dégâts. Ouh, dommage, j'ai cru qu'il allait faire une attaque de plus, enfin un petit coup de plus. Alors, on va attendre que la mousquetaire arrive. Désolé les amis, me revoilà, excusez-moi, désolé d'avoir coupé du coup, hein, j'ai pas l'habitude de cut en pleine partie, mais c'est que le téléphone avec lequel j'ai tourné la vidéo, enfin le doublage du début de vidéo, il vient de sonner, donc du coup je me suis retrouvé un peu dans la merde à courir pour l'amener à mon père. Ouf, c'est bon. Donc on est de retour, je suis vraiment désolé, hein, excusez-moi. C'était complètement inattendu, hein. Là je me suis pris un tagueule dans la tête. Alors le sort de zap que j'ai encore foiré, je suis vraiment déçu. Je vais lui prendre la tour peut-être. Est-ce que je vais lui prendre la tour? Il a 400, 300 et encore un coup. Oui, c'est bon, je lui ai pris la tour, ça c'est nickel. On va mettre le bourreau juste ici, comme ça moi on défend un petit peu tranquillou. Le bourreau du coup qui va enlever toutes les petites squelettes, c'est nickel. Ensuite on va mettre le golem de glace juste là pour se faire focus, pour éviter que la tour elle prenne beaucoup trop de dégâts, parce que là sinon on est mal barré. Je me sens encore chaud là de tout à l'heure là. Du coup je me suis tapé un sprint pour perdre au minimum de temps. Et rassurez-vous, il ne s'est rien passé entre temps, entre du moment où on m'a appelé et du moment où je suis revenu. Ne vous inquiétez pas, il n'y a quasiment rien qui s'est passé, donc vous n'avez rien loupé. En tout cas là on est dans la partie des 1 minute restante, donc ça s'annonce bien en tout cas. Pour le moment hein, je suis à 555 points de vie sur ma tour. Je lui ai déjà pris une tour, et ce que je vais faire c'est que je vais rebalancer le bourreau avec le chevaucheur de cochon. Et qu'est-ce que ça va faire? Je pense qu'il va me remettre comme tout à l'heure. Ça... Ah non, j'ai mis le bourreau, merde, j'ai pas mis le bélier. Bon bah c'est parfait, c'est nickel, moi comme ça les... Comme ça, la horde de squelettes, bye bye. Il me balance ses... comment ça s'appelle? Il me balance ses barbares d'élite. Je vais mettre ma boule de feu ici, nickel, avec le golem de glace, j'allais dire. Oui, le golem de glace, justement, t'es pour contrer... Non, 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 il va pas me prendre la tour, il va pas me prendre la tour. Non! Il va me prendre la tour. Ah, chiotte, il m'a pris la tour, c'est pas très grave. C'est pas mal quand même, parce que ça focus vite la tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retenter encore une fois un bon petit push ici. Je vais balancer la boule de feu ici au cas où. Voilà, j'ai pas... Parfait, parfait. La boule de feu qui passe à pic, nickel. Le chevaucheur qui met juste un coup, malheureusement, c'est pas grave, on va faire avec. La tour du coup qui a 962 points de vie, je vais balancer mon canon ici pour que... Ah merde, du coup, les barbares d'élite, ils ont focus mon bourreau. Je suis un petit peu... Ah oui, c'est bon, les barbares d'élite, ils sont die. Ils ont die, là c'est die. Il me balance le mousquetaire, il me balance tout ce qu'il peut là. Waouh, il me balance vraiment tout ce qu'il peut. C'est un peu abusé là, je vais balancer ma boule de feu. Rien à faire, je veux défendre, je veux pas perdre ma tour. Il faut pas que je perde. Je vais peut-être balancer soit le bélier avec le chevaucheur de cochon. Une fois encore, je vais balancer ça, je vais faire le bourreau juste ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Hop, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre le canon juste ici. Ensuite, ah merde, dommage. Je vais balancer ensuite le chevaucheur de cochon ici. Je vais balancer la boule de feu. Et que c'est pas ça avec la boule de feu? Ok, d'accord. C'est le comment ça s'appelle? C'est le bélier qui a pris, mais c'est pas les barbares d'élite, enfin les barbares qui sont à l'intérieur. Ça c'est un petit peu con, c'est dommage, c'est pas grave. Ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre le canon ici parce qu'il me refait un push de fou. Hop là, on balance le golem de glace pour éviter de prendre trop de dégâts. Les barbares d'élite, ces barbares d'élite qui sont toujours en vie. Son barbare d'élite qui va me mettre un coup, deux coups. Hop, la boule de feu juste là. Ah merde, du coup je suis con, j'aurais pas dû faire ça parce que du coup il va me prendre ma tour peut-être. Je l'espère pas. J'ai mis le canon ici pour défendre. Il faudrait que je balance là, hop là, mon bourreau. Comme ça au moins il me touche pas la tour.
Je vais essayer de balancer le golem de glace juste là et je vais mettre le chevaucheur de cochon pour contre-attaquer. Non, 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 il va me prendre la tour à cause de ses troupes là. Ah, la charge qui me prend la tour. Oh, punaise, la charge qui m'a pris la tour. Ah, je suis dégoûté, punaise, je suis dégoûté. Ah, franchement, c'était une bonne partie. Bien joué, bien joué. C'était une très bonne partie. Je me suis pas mal défendu, mais lui aussi s'est vraiment pas mal défendu. Surtout, c'est sa contre-attaque qui a fait le travail. Donc, encore désolé pour le coup de fil de tout à l'heure, du coup, qui m'a complètement perturbé. Je relance un petit combat histoire de se venger. Parce que là, j'ai pas envie de rester sur une défaite et on tombe contre Am61 Arixter. Je me souviens, je sais pas parler russe. Désolé. On va balancer comme tout à l'heure le bélier de combat avec le chevaucheur de cochon juste ici. Plus on prépare le sort de zap au cas où. On sort le zap, pouf. Ça fait pas vraiment de dégâts. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a mis comme troupe. Ah, il a mis le bourreau. Il a mis le bourreau. Je vais balancer juste là le golem de glace pour les. Comment ça s'appelle déjà pour les minions. Nickel. Là, je vais balancer juste mon canon. Pouf. Voilà, nickel. J'aurais pu le balancer un petit peu plus tôt pour éviter qu'il prenne un shot à blanc. C'est pas très grave. Alors, le golem, le bourreau, du coup, lui, il a mis que deux coups. Pourquoi il a balancé une boule de feu, lui? Mais il est bête. Surtout qu'il m'a même pas touché la tour en balançant la boule de feu. Bon, c'est pas grave, écoute. Tu feras mieux la prochaine fois, mon coco. Ne t'inquiète pas. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va refaire un push de l'enfer comme tout à l'heure. Hop, là, voilà. Et on prépare le zap, une fois encore. Hop, là, nickel. Le zap qui passe bien. C'est parfait. J'arrive pas à parler. Les barbares qui en focus la tour avec le chevaucheur de cochon, c'est nickel. On lui prend la tour. Parfait. On prépare la boule de feu au cas où. On va essayer de faire un gros push là de l'enfer. On va faire. Non, 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 on va pas faire un gros push de l'enfer finalement. Je vais balancer ici mon canon pour que son. Pour que son truc là. J'ai oublié son nom. Focus mon canon. Alors, il y a la horde de gargouilles juste là. Je vais balancer la boule de feu. La boule de feu quand? Maintenant la boule de feu. Oh boum! Voilà, j'ai minimisé les dégâts, c'est pas mal. J'en ai pris quand même pas mal. Ma tour, elle est à 1496 points de vie. Ouf! Bon, sa tour du roi, elle est à 2739. Ça passe encore. On peut voir ce qu'on va faire. Je vais essayer peut-être de me faire un push avec le golem de glace et le chevaucheur de cochon pour voir un petit peu ce que ça donne. J'espère qu'il me. De toute façon, en fait, s'il me met sa horde de squelettes, j'ai le golem de glace en. Ah ben non. Ah ben non. What? Pourquoi? Dans quelle raison? Quel but? Tu m'expliques? Hop là. Bon, c'est pas grave. J'ai balancé du coup le bélier, mais on va voir, ça va pas faire grand chose. J'aurais pu mettre le zap, mais j'ai pas envie en fait de mettre le zap justement. Je veux essayer de le garder pour après, au cas où, hein, parce que voilà, c'est super utile le zap, surtout au bon moment, au moment opportun. Alors lui, il a son. Sa troupe, j'ai oublié le nom toujours encore, je me souviens plus, j'ai vraiment une mémoire de merde. Peut-être qu'il va me balancer. Ah non, il m'a balancé le bélier, c'est le moment d'attaquer, c'est le moment d'attaquer. Maintenant que je peux, je vais balancer ici mon bélier de combat moi aussi. On va se laisser prendre la tour. Je balance ma boule de feu en espérant que ma tour prenne pas de dégâts. Enfin, mes troupes ne prennent pas trop de dégâts. Voilà, je vais peut-être. Ah, oui, je vais peut-être lui prendre la tour. Non, pas tout de suite, mais au moins elle a mis un coup de plus. C'est pas mal. Ici, je vais rebalancer le bourreau histoire de défendre sa horde de squelettes. Enfin, son armée de squelettes, pardon. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais balancer peut-être mon golem de glace juste là. On va voir. Oui, avec le chevaucheur de cochon. Plus le sort de zap pour la tour de l'enfer qui risque peut-être de mettre. Voilà, il a mis la tour de l'enfer, j'en étais sûr. Hop, là, je balance le bélier avec tout ça. Plus. Non, oui, 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 c'est bon. Plus, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Merde, dommage, ça n'a pas mis énormément de dégâts. Le deuxième bourreau, nickel, le deuxième bourreau. Je prépare le. Oui, je lui prends la tour. Je lui prends la tour. La boule de feu. Et la boule de feu qui passe bien. Et trois couronnes, les amis. C'est magnifique, excellent. Punaise, ça, on a eu de la chance. On lui a pris un beau trois couronnes. C'était pas mal. C'était une bonne petite partie bien intensive, comme je les aime, franchement. Ah, du coup, je me retrouve à deux victoires avec 240 pièces et 5 cartes. Bon, c'est pas énorme. Je vais essayer d'arriver au moins à 5 victoires sans perdre de nouveau, parce que là, c'est un peu short. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur le défi du bélier de combat. Si c'est le cas, dites-le-moi dans l'espace commentaire, ainsi que le film que je vous ai doublé en début de vidéo. Et n'oubliez pas le gros pouce bleu pour ces trois couronnes, ainsi que le partage à tous vos potes. Ça me ferait vraiment plaisir. Si jamais vous voulez vous abonner, il faut cliquer juste là et voir la vidéo précédente juste ici. Et puis nous on se dit à la prochaine, c'était Tim. Ciao ciao.